Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Vous n'avez pas l'habitude de voir tout entier. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter un microphone qui me permettra de non seulement être loin de la caméra, mais aussi être capable d'être écouté par l'audience. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler d'un microphone que je vais vous présenter, que vous devez acheter si vous voulez acheter un microphone pour votre chaîne YouTube, TikTok, n'importe quelle raison que ce soit, la conférence, pour pouvoir avoir un bon audio dans votre vidéo. Voici le microphone, il n'est pas gros, il est petit, il a juste la forme d'un petit bouton. Lorsque la lumière tourne d'une couleur bleuâtre, ça veut dire que votre voix n'est pas isolée. Mais lorsque la couleur tourne d'une couleur verte, ça veut dire que votre voix est isolée. Tout à l'heure, on va faire un tout petit test. Lorsque vous ouvrez le chargeur, vous avez deux slots pour deux microphones et un slot pour un receveur. Lorsque vous ouvrez le chargeur, vous avez quatre lumières qui seront allumées. Lorsqu'il y a une seule lumière qui est allumée, ça veut dire que votre chargeur est chargé à 25%. Deux lumières qui sont allumées, ça veut dire que c'est chargé à 50%. Trois lumières allumées, ça veut dire que 75%. Et quatre lumières, ça veut dire que c'est chargé à 100%. Mais lorsque vous ouvrez le chargeur et qu'il n'y a pas de lumière, tournez le chargeur par derrière et le connectez à votre ordinateur portatif, bien à votre power bank, bien à n'importe quelle source d'énergie qui se trouve dans votre maison afin de pouvoir charger le chargeur. Pas gros, il est tout petit, il peut contenir dans ma main et puis il est sûr qu'il ne prend pas beaucoup d'espace. Le microphone vient avec un petit sac qui vous permettra juste de pouvoir mettre tous les accessoires à l'intérieur sans pour nous aller perdre. Et lorsque vous voulez le mettre sur votre képi, il faut juste de mettre cette partie de l'aimant vers la haut et puis coller le microphone là-dessus. Et voilà. Vous voulez utiliser le microphone avec votre képi, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éviter de placer le képi très loin ou d'éviter à ce qu'une personne vous arrache votre képi. Lorsque j'enlève le képi et que je le place là, je suis en train de vous parler, mais l'audio a diminué. Il va falloir que je puis encore sur ma tête et à ce moment vous serez capable de pouvoir mieux écouter ma voix parce que le microphone est auprès de moi. Vous pouvez le passer sur votre cul sans problème. Voici l'adaptateur pour le téléphone iPhone et je suis en train d'utiliser. Lorsque vous parlez avec une voix qui est haute, vous mettez sur low. Lorsque vous parlez pas de façon forte, vous mettez sur medium. Vous voyez le signal ici en train de diminuer à moins que je crie très fort. Mais lorsque vous parlez avec une voix basse, vous choisissez celui-là, ça devient full. Donc on a medium, on a low. Tout cela dépendra de où est-ce que vous placez le microphone. Hollyland Lark M2 avec l'isolation de la voix désactivée. Test micro 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais essayer de... Hollyland Lark M2 avec l'isolation de la voix activée. Test micro 1, 2, 3, 4. Enregistrer la vidéo sans l'isolation de la voix et enregistrer la vidéo avec l'isolation de la voix. Moi, j'aime particulièrement enregistrer mes vidéos sans l'isolation de la voix comme ça. Lorsque je pars dans le poste, j'aurai l'option de pouvoir choisir si je veux mettre beaucoup de bruit dans la vidéo ou je vais enlever beaucoup de bruit dans la vidéo. 5%, c'est comme ça que ça sonne. J'ai diminué à 10%, voilà comment est-ce que ça sonne. 50%, voilà comment est-ce que ça sonne. Il y a moins de bruit dans la vidéo. Test micro 1, 2, 3, 4. 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 Là, on fait dos un peu. Test micro 1, 2, 3, 4. On va faire dos encore. Test micro 1, 2, 3, 4. 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 Deux fois, lorsque je fais dos à la caméra, je constate qu'il y a un peu de coupure entre le receveur et le transmetteur. C'est à vous de voir, je suis en train de juste partir. Je vais encore essayer de tourner dos ici. Test micro 4. Test micro 1, 2, 3, 4. Test micro 1, 2, 3, 4. Test micro 4. Test micro 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme ça que ça marche. Lorsque vous faites dos à la caméra, de fois, il y a coupure entre le receveur et le transmetteur. Et en ce moment, ça sera une sorte d'interruption de communication. Donc c'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Lorsque vous utilisez le microphone, gardez une distance raisonnable entre vous et la caméra. Et tout le temps, évitez que beaucoup d'objets soient entre vous et... Entre le transmetteur et le receveur, ça fait comprendre. Donc, je vais essayer de descendre encore en revenant envers vous et on va essayer de voir ce que ça va donner. Ça fait comprendre. Je vais faire dos aussi. Test de micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test de micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test de micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test de micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test de micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test micro 1, 2, 3, 4. Hollyland Lark M2. Test micro 1, 2, 3, 4. Voilà comment est-ce que ça va sonner. Lorsque vous avez
le microphone qui est, vous êtes loin de votre vidéocaméra. Et... Alors, ça vient en trois paquets. Le premier paquet contient juste les adaptateurs pour le téléphone Android et le téléphone iPhone. Et le second paquet contient juste les adaptateurs pour les vidéocaméras, que ce soit une caméra Sony, un Nikon, Red, n'importe quelle marque de la caméra que ce soit, le microphone sera capable d'être adapté. Troisième paquet contient juste ce qu'on appelle le combo. Avec le combo, vous serez capable de pouvoir l'adapter à votre ordinateur portatif, à votre téléphone Android et iPhone, mais aussi à votre vidéocaméra. Si on avait à me demander de choisir entre les paquets, je vais dire choisissez le combo. Lorsque vous avez un téléphone, vous avez une vidéocaméra, vous avez un ordinateur portatif, donc par conséquent, achetez le combo, parce qu'avec le combo, vous serez capable dans le futur de pouvoir adapter le microphone à tous ces appareils dont je viens de mentionner. Ça fait comprendre.